Attention! Personne ne quitte la confrérie, Cross. J'ai un nouveau point de vue sur la confrérie. Attention, on ne détruit pas comme ça quelque chose qui existe depuis 1000 ans. Elle est déjà détruite. Il a violé le code. Je dois l'arrêter. Ah oui. Tu le sais très bien. Alors pourquoi tu ne viens pas te mesurer à moi? On n'envoie pas des moutons tuer un loup. Ce n'était que des leurres. Adieu, Monsieur X. Ce n'était que des leurres. Hey. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? T'es là de bonne heure. Qu'est-ce que... T'as l'air en pleine forme. Ça va, t'es sûr? Ah ouais. Ouais. Ouais, je me sens... transfiguré. Très bien. Je vais chercher des carnets de post-it. T'en veux un? Non. T'es sûr? Ouais. Ok. Mais c'est pas Dieu possible de voir ça. J'attends toujours mon rapport. Et pendant ce temps-là, monsieur se googlise de haricots sur Internet. Ce que je peux vous garantir, c'est que vos notes d'évaluation tombent dans moins d'une semaine et que je suis impatiente de cocher les bonnes cases de ce putain de formulaire. Attitude médiocre, performance médiocre, capacité managériale médiocre. Quant à l'esprit d'équipe, alors là, laissez-moi rigoler. C'est quoi ça? C'est qui ce mec? Un pouf qui est allé se faire descendre sur le métropolitain. Ferme ta gueule! Sous prétexte qu'elle a une toute petite parcelle de pouvoir, elle croit qu'elle a le droit de pousser tout le monde à bout. Confisqué. Je sais, Janice. Vous avez dû avoir une scolarité difficile. Mais ça n'autorise pas à traiter ses subordonnés comme de la merde. C'est vrai qu'on se fout tous de votre p***.
On le sait que vous planquez des beignets dans votre tiroir, mais il faut que vous compreniez que si vous étiez moins, on vous plaindrait au lieu de vous haïr. J'aurais de la sympathie pour vous. Mais malheureusement, vu votre manière de faire, je pense être l'interprète de tous ceux qui travaillent ici en vous disant allez vous ch**er dessus en enfer. This is the mind-numbing black hole I call a job. And this is me, Wesley Gibson. Nobody. Like everybody else, I just keep waiting for a lotto ticket out of my boring existence and into a life that means something. I knew your father. My father died the week I was born. Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. He was one of the greatest assassins who ever lived. And the other one is behind you. I thought he'd be taller. Shoot the wings off the flies. You're insane. Insanity is coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside. I really think you have me mixed up with somebody else. Shoot the wings off the flies. Either you shoot or I do. Only a few people in the world can do that. I can't even see them! Your father could do it. And you can do it. We are a fraternity of assassins, the weapons of fate. The fraternity has trained assassins for thousands of years. You'll be given everything you need. Curve the bullet. To kill your target. I think he's ready. We don't know how far the ripples of our decisions go. Kill one, save a thousand. Now, that's what we believe in. And that's why we do it. This is what's been missing from your life, Wesley. Purpose. All you have to do now is embrace it. I'm the man. Are we gonna bond now? Would you like to? Within this unstable world, every life hangs by a thread. We are that thread. Take control of your own destiny. Join us. Wanted.